seigneurie va bientôt attribuer le chantier de construction du nouvel hôtel de ville qui sera érigé près de Santa Maria Novella. Les personnes intéressées, appartenant à la corporation Florentine des Charpentiers... Giovanni Auditore, vous et tous vos complices, comparaissez devant nous pour répondre d'une accusation de trahison. Pouvez-vous produire des éléments susceptibles de vous blanchir ? Oui, tous les documents qui t'ont été remis la nuit dernière. Malheureusement, j'ai peur de tout ignorer de ces documents. Il ment ! Je dois me rapprocher. En l'absence de preuves irréfutables de votre innocence, je n'ai d'autre choix que de vous déclarer coupable. Vous et tous vos congénères êtes par la présente condamnés à mort. C'est toi le traître, Uberto. Tu es l'un d'entre eux. Tu peux prendre nos vies aujourd'hui, mais nous prendrons la tienne en retour. Je le jure. Père ! Là-bas, ce jeune homme, il est de leur famille. Vous le paierez de votre vie. Garde ! Arrêtez-le ! Éliminez-le! Tu dois t'enfuir, petit. Et vite! Faites une prière! Criminale! Rassemblez en masse des civils une seule fois Florence et affichez leur sécurité! Et faites une ville! Pour s'enfuir! Postérieure à notre honneur! Il est là! Allez-y! J'ai une faveur à te demander. J'ai remarqué la présence de plusieurs symboles étranges un peu partout dans l'Italie de la Renaissance. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, et c'est ce que je voudrais comprendre. Rebecca a marqué leur emplacement dans la base de données en utilisant de petites icônes brillantes en forme d'œil. Tâche de les repérer. Salutio, Dieu merci. Je vous ai cherché partout. Je n'ai pas pu les arrêter, Annetta. J'ai essayé, je le jure. Mais les gardes étaient trop nombreux. Les runes sont pas sûres. Venez avec moi, vous ne devez pas rester là. Comment vont ma mère et ma sœur ? Elles vont bien. Nous allons les rejoindre. Non, ce serait trop dangereux de rester ensemble. Dites-moi où elles sont, je vous retrouverai là-bas. Elles sont chez ma sœur. Sa maison est au nord du dôme. Je me mets en route. Venite a provare le delizie del mio orto! N'écoutez pas ces soi-disant experts! Carne fresca!
Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Non. Non, c'est ici. Je suis heureuse de faire votre connaissance, Messer Ezio. Annetta m'a dit beaucoup de bien de vous. Je comprends pourquoi. Vous êtes bien trop aimable, Madonna. Je t'en prie. Appelle-moi Paola. Je vous remercie d'accueillir ma famille, Paola. C'est le moins que je puisse faire. Tu dois être fatiguée. Tu ne veux pas... Non, grazie. Je dois partir. Quoi? Mais où vas-tu? Tu es Uberto Alberti. Je comprends très bien que tu veuilles te venger. Mais le Gonfaloniere est un homme puissant. Tu n'es pas un assassin, Ezio. Épargnez-moi vos discours. Mais tu pourrais le devenir. Et c'est vous qui allez m'apprendre à tuer, peut-être? Non. Mais par contre, je peux t'apprendre à survivre. Viens. Dans mon métier, la discrétion est primordiale. Nous devons nous déplacer librement dans les rues, vus sans être vus. Toi aussi, tu dois apprendre à passer inaperçu, à te mêler à la foule comme nous le faisons. Mes filles vont te montrer comment faire. Buongiorno. Oh, buongiorno. Porgete i miei omaggi a Sir Luca. Encore un mercenaire? Et quel accoutrement! Il dirait bien qu'il est armé. Peut-être notre oncle. Sûrement un mercenaire. Non, je vous en prie. Bene, tu as appris à passer inaperçu. Je vais te montrer que cela ne sert pas uniquement à se déplacer. Tu peux aussi dérober discrètement l'argent des passants. Au voleur! Au voleur! Une fois que tu as dérobé quelque chose, Ezio, ne t'attarde pas. À l'aide! Je vous en prie, arrêtez cet homme! Garde! À l'aide! Attrapez ce voleur! Laissez-nous, les filles. Oh, c'est dommage. Si innocent. Il est mignon. Maintenant que tu sais comment t'approcher d'un ennemi, il ne nous reste plus qu'à te trouver une arme. Et que voulez-vous que j'utilise?
Ah, mais tu connais déjà la réponse. Hé, hey, la lame et le brassard de mon père. Comment les avez-vous eus? J'ai appliqué les techniques que je t'ai enseignées. Je crains qu'il ne soit en mauvais état. Je suppose que tu as déjà rencontré Leonardo da Vinci. Si, mais en quoi un peintre pourrait-il m'aider? Il est bien plus que ça. Apporte-lui ces objets, tu verras. Avant de partir, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous apporté votre aide à moi, un inconnu? Moi aussi, j'ai été trahi. De nouveaux fournisseurs. Toutes les économies que j'ai réalisées, c'est vous qui en bénéficiez. Oh, Ezio Auditore! Je ne m'attendais vraiment pas à te revoir. Après tout ce qui s'est passé... Ah, j'en oublie les bonnes manières. Sois le bienvenu. Bien, dis-moi, que puis-je faire pour toi? Est-ce que tu pourrais m'aider à réparer quelque chose? Bien sûr. Viens, par ici. Ah, quel désordre. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Je vais faire un peu de place. Très bien, voyons ça. C'est fascinant. C'est étrange, Ezio. C'est assez ancien. Et c'est pourtant très perfectionné. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Eh, j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire sans les dessins d'origine. Je suis désolé. Attends un peu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui figure sur cette page est codé. Mais si ma théorie est exacte, et si j'en crois ces dessins, il pourrait bien s'agir de... Il pourrait bien s'agir de quoi? Assieds-toi. Leonardo, je... Remarquable. Si on intervertit les lettres et qu'on n'en garde qu'une sur trois... Voilà, j'ai terminé. Hein? Terminé quoi? La lame. J'ai compris comment déchiffrer ton parchemin. Il contenait toutes les instructions. Bien, il ne me reste plus qu'à couper ton annulaire. Tu plaisantes? Désolé, mais tu ne pourras pas y échapper. Il faut s'assurer que l'engagement de celui qui manie la lame est bien réel. Ben, mais fais vite. Je te fais marcher, Ezio. Autrefois, un sacrifice était bien nécessaire, mais plus maintenant. Tu peux garder ton doigt. Incroyable. Oui, en effet. Dis-moi, tu as d'autres pages comme celle-ci? Désolé, c'était la seule. Écoute, si par le plus grand des hasards, tu en trouvais une autre, alors apporte-la-moi. Je n'y manquerai pas. Et merci d'avoir réparé ça. C'est... Par ordre de la garde florentine! Ouvrez cette porte! Un petit instant. Reste ici. Êtes-vous Leonardo da Vinci? Oui. Que puis-je faire pour vous? J'ai quelques questions à vous poser. Très bien. Dites-moi ce qui vous amène. Un témoin a rapporté vous avoir vu conspirer avec un ennemi de notre cité. Quoi? Moi? Conspirer? C'est grotesque. Quand avez-vous parlé à Ezio Auditore pour la dernière fois? Qui? Ne jouez pas au plus fin avec moi. Nous savons que vous étiez un proche de la famille. Je connais un moyen de vous rafraîchir la mémoire. Ah! Vous allez parler? Je dois continuer? Ah! Ah! Vous en voulez en... Là-bas. Grazie, Ezio. Je suis désolé. Ah, oh, ce n'est pas la première fois qu'il me maltraite. Que fait-on du corps? Mets-le à l'intérieur avec les autres. Les autres? La ville me donne des corps pour mes recherches. –
Detento. Hé, attention. Tu vois, il ne s'est rien passé. Merci, Leonardo. Merci pour tout. Je t'en prie. Et n'oublie pas, si tu trouves d'autres exemplaires de ces pages, apporte-les-moi. Si elles contiennent de nouveaux dessins, je pourrais même améliorer ta lame. Promis. Maintenant, je dois retourner auprès de Paola. Présente-lui mes hommages. Bien, tu en as mis du temps. Leonardo adore parler. C'est bien vrai. Mais vous n'avez pas fait que parler, j'espère. Impressionnant. Elle me plaît beaucoup à moi aussi. Je t'ai apporté le savoir-faire. Leonardo t'a apporté la lame. Il ne te reste plus qu'à agir. Où puis-je trouver Uberto? Si j'en crois mes filles, il assistera à la présentation des œuvres de Verrocchio ce soir. Elles seront exposées au cloître de Santa Croce. Veillez bien sur ma mère et ma sœur pendant mon absence. Rassure-toi, Ezio. Ta famille est entre de bonnes mains. Nous en avons déjà parlé. Vous avez dépassé les bornes, Uberto. Vous ne manquez pas d'audace. C'est vous qui me faites la leçon? Vous, Lorenzo de Medici, qui vous êtes autoproclamé prince de Florence? Vous déraisonnez. Évidemment. Vous êtes innocent. C'est un peu trop facile. Enfin, cela nous aura au moins montré que votre pouvoir est tout à fait négligeable, si tant est que ce pouvoir existe. C'est un constat riche d'enseignements pour moi, comme pour mes alliés. Oui, vos alliés les Pazzi, car c'est bien d'eux qu'il s'agit. Je vous conseille de surveiller vos paroles, Lorenzo. Vous devriez éviter d'attirer l'attention sur vous. Besoin d'un docteur? Montre-nous tes beautés, ma jolie! C'est dans ce quartier que tu trouveras les meilleures danseuses. Il nous reste du vin doux. Et notre peau est plus mince encore. Tu ne voudrais pas détruire les autres côtés de notre vie. Mes respects aussi. J'espère que vous passez une bonne soirée. Tout à fait. Après l'affaire à Auditore, un peu de distraction est la bienvenue. Moi qui considérais Giovanni comme mon propre frère. Toi ? Tu aurais fait la même chose pour protéger ce que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les Auditori ne sont pas morts! Je suis toujours là! Moi! Ezio! Ezio Auditore! Assassino!
a trop bu. Il vaut mieux que je quitte Florence. Où vas-tu aller ? Mon oncle Mario a une maison à Monteriggioni. Tu es toujours recherché, Ezio. Que puis-je faire contre ça ? J'ai vu des avis de recherche dans le quartier. Arrache-les et les habitants oublieront ton visage. Les crieurs publics vont monter les foules contre toi. Si tu les soudoies, ils parleront d'autre chose. Tu peux aussi traquer ceux qui ont porté un faux témoignage contre toi. Ils ont menti pour de l'argent, après tout. Personne ne pleurera leur mort. Remplis l'une de ces missions et tu pourras quitter la cité. J'ai prévu une routine chargée de vérifier ta notoriété. Ce petit indicateur t'aidera à te situer sur une échelle qui va d'incognito à notoire. Il t'aidera à agir en connaissance de cause. Cet indicateur te dira également si le niveau de notoriété fait partie du souvenir d'Ezio. Il ne pourrait pas marcher comme tout le monde ? C'est beaucoup trop risqué. Ah, te revoilà, Ezio. Alors, tu as réussi ? Oui. Mère ? Ezio ! Mais où étais-tu ? On nous empêche de partir. Et mère ? Ah, elle ne parle plus depuis que nous avons quitté la maison. Mais je sais que père va tout arranger. Où est père ? Et Federico ? Et Pedruccio ? Hmm ? Je n'ai rien... rien pu faire. Que veux-tu dire ? Non, c'est impossible. Claudia. Non, 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 non. Tu sais, j'ai tout essayé, Piccina. Écoute, ce qui compte maintenant, c'est de trouver un endroit sûr. Mais pour m'aider, il faut que tu aies les idées claires. Est-ce que tu comprends ? Bien. Tu peux veiller sur notre mère ? Alors, nous sommes prêts. Encore merci. Merci pour tout. Sois prudent, Ezio. Reste vigilant. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Bonne giornata. Par ici. Y a rien pour toi ici. Compris ? Oh, bonjour. Ayons le cœur rempli de joie, car il est parmi nous. Réjouissons-nous, voici son pas, et devant lui prosternons-nous. Gloire à notre champion qui par sa présence étonnante. Justice, justice, c'est en ton nom qu'il vient à nous. Nous allons danser et chanter, et les picards, qu'il mettra à genoux. Des pièces, de l'argent ! De l'argent ! Des pièces, oh ! Oh, de l'or ! De l'argent ! Et des pièces, oh ! De l'or ! Et de l'or ! La fortune me sourit, pièces ! Amen ! Par ici, allons-y. Quelle chance !
De l'or. De l'argent. De l'argent. Ah, de l'argent. Fortune. Quelle chance. Belle. De l'argent. Non. De l'argent. De l'argent. Oui. Oh, de la chance me sourit. De l'argent. De l'argent. Non. Oui. En avant. Mensonge, il ne supporte pas. Courez, courez, vous passerez tout. Soyez sans pitié. Attendez. Qu'est-ce que tu es belle ! Venez avec moi. Ça, c'est de la belle marchandise. Ça, c'est ce que j'appelle une femme. Restez près de moi. Bien, par ici. Voilà les cuisses bien chargées. En avant. Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on reviendra un jour ? Je ne sais pas. Allons-y. On va nous prendre notre maison ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu une sépulture décente ? Oui. Bien sûr. Nous y sommes presque. Gratia a dire. Bien, par ici. Buongiorno, Ezio. Alors comme ça, tu as quitté Florence sans même passer nous dire au revoir. Ezio ! Qu'est-ce que tu veux, Vieri ? Ah, je veux tellement de choses. Un palais plus fastueux, deux nouveaux destriers, une plus jolie femme. Ah, j'oubliais ! Et ta tête ! Ah, j'oubliais ! Mes condoléances pour ton père et ton frère. Tu réalises qu'il n'y a plus personne pour te venir en aide ? Tu ne peux même pas imaginer le sort que je réserve à ta mère et à ta sœur. Ah, ce petit jeu ne m'amuse plus. Achevez-le ! Et n'épargnez pas les femmes. Mais c'est de la sorcellerie ! De la sorcellerie ? Non ! Allez, montre-toi ! Comme tu voudras. Tiens, attrape! Tuez-les tous!
jusqu'au dernier. Merci infiniment. Garde l'épée, Ezio. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu ne me reconnais pas. C'est moi, Mario! Oncle Mario? Ça faisait longtemps, Ezio. Trop longtemps. J'ai appris ce qui s'est passé à Florence. Désolé. Viens, vous ne devez pas rester ici. Ils ont exécuté mon père pour trahison, puis Federico et Petruccio aussi. Maintenant, ils me cherchent. Sais-tu pourquoi? Je l'ignore, à vrai dire. Mais je détiens une liste de noms prises à un homme qui voulait me tuer. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts. Sois fort. La vérité finira par éclater. J'aimerais partager votre optimisme. Allez, encore un effort. Nous y sommes presque. Je suis certain que Monteriggioni te plaira. Je croyais que Monteriggioni et Florence étaient rivales. C'est le cas. Mais l'an prochain, elles seront alliées, à n'en pas douter. Puis d'autres querelles éclateront, et ainsi de suite. J'ai un peu de mal à suivre, parfois. Tous ici sont d'honnêtes gens, qui travaillent dur. Les biens que nous produisons ne sont pas très élaborés, mais bien conçus, et aussi très fiables. Et nous avons notre propre chapelle. Je reconnais que le prêtre est un brave homme, mais pour ne rien te cacher, je n'ai jamais été un fervent croyant. Tu savais que la Villa Auditore a pratiquement 200 ans ? Elle a été construite par mon arrière-grand-père, un homme étrange, détenteur de nombreux secrets. Qui sait, tu en découvriras peut-être quelques-uns si tu regardes bien ce qui t'entoure. Malheureusement, les guerres incessantes ont transformé cet endroit. Ce n'est plus le havre de paix que j'ai connu jadis. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je n'ai ni le temps ni les moyens de tenter quoi que ce soit. Ainsi va la vie, pas vrai? Nous y sommes. Casa Dolce Casa. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je suis sans voix, mon oncle. La villa a connu des jours meilleurs. Si seulement j'étais moins occupé, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve son allure d'antan. La visite est terminée, Ezio. Tu devrais te procurer de quoi t'équiper. Rends-toi au marché, mes hommes t'y attendent. Quand tu en auras terminé, nous pourrons enfin nous mettre au travail. Au travail? Comment ça? Tu es bienvenu ici pour t'entraîner. Ne vous méprenez pas. Je devais fuir Florence et maintenant... J'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri. As-tu pensé à ton père? Il voudrait que tu finisses ce qu'il a commencé. Que voulez-vous dire? Mon père était banquier. Attends, il ne t'a rien dit? Je ne vous suis pas. De quoi parlez-vous? Mais où avais-tu la tête, Giovanni? Bon, je ne sais pas par où commencer. Va t'équiper au marché. Cela me donnera le temps de réfléchir. Mais... Ne discute pas. Nous bavarderons plus tard. Prends cet argent. Tu en auras besoin. Et si jamais tu voulais te reposer un peu, j'ai fait préparer une chambre pour toi, au dernier étage de la villa.